Salut les amis! Bienvenue avec Titi Boy pour cette session jeux vidéo! Yeah! Nous nous retrouvons pour ce test découverte de Castle of Earth, un jeu exclusif à la Nintendo Switch. Il s'agit normalement d'une sorte de Dark Souls en vue de profil. Donc pour les hardcore gamers qui ont envie d'en découdre, qui aiment la difficulté, vraiment c'est adressé pour eux. C'est donc un moment découvert. Donc vous allez voir, on a déjà entamé les premiers niveaux du jeu. L'objectif c'est de continuer ensemble. Voilà, c'est pour vous de voir de quoi il en retourne. Donc volontairement je vous ai mis des commandes à l'écran avec l'ensemble des touches qui vous permettront justement d'user du gameplay proposé par Castle of Earth. Il faut savoir que ce jeu est donc sorti depuis le 23 mars 2018 et ça a été développé par un studio de développement polonais. Donc c'est le moment de jouer tous ensemble. En tout cas, n'hésitez pas à commenter ce que vous voyez à l'écran si vous avez même des interrogations, si vous voulez me diriger, eh bien ça va être l'occasion. Donc vous risquez de voir du monde défiler derrière moi, c'est normal, c'est le week-end, on est en famille, ce qui n'empêche pas de découvrir ensemble le contenu de ce jeu qui coûte à peu près une quinzaine d'euros. Voilà, on va essayer de prendre plaisir, hein. On va à peu près tourner, allez, une demi-heure de gameplay rien que pour vous, chers lecteurs de consolefun.fr. Allez, c'est parti! Ça commence bien. Pour l'instant, c'est une sorte de catastrophe nucléaire. Pour l'instant, on tient plutôt bien le coup. Ouh là là là, je me suis fait brûler. Ça n'a pas été très malin de ma part. Mais pour l'instant, on tient le choc. Ouf. On est extrêmement blessé. Alors, on vient de récupérer de la vie. Alors, ils disent L et Y. Pour faire une attaque spéciale. On peut récupérer une sorte de hache. Ah oui, d'accord, en fait l'attaque spéciale nous fait perdre de l'énergie. Faut quand même pas trop l'user, même si vous pouvez anéantir très rapidement du coup vos adversaires. On continue d'avancer. On continue d'avancer. Allez. Sur R pour... Ah oui, d'accord, okay. Donc on peut lancer des grenades. Oh là là là, on est en grande difficulté. On est même encerclé. Ok. Le try and retry risque d'être très compliqué. Hop, ça c'est fait. Adversaire battu. Donc voilà, c'est vraiment du gameplay en vue de profil, hein. Vous avez pas menti. On ne se laisse pas faire, comme vous pouvez voir. Alors, je pense... Ah, pas mal. On peut récupérer du coup le... Hop, on l'a battu à distance.
Voilà, speedrun. Et on est mort. Ah, il y avait des sortes de pics. Alors là, la difficulté commence à monter. Et nous aussi, on commence à nous améliorer sur le jeu. Ah ouais, d'accord. Là, on est pris en étau. C'était pas la meilleure chose qu'il fallait faire. Quelque chose me dit qu'on va pas aller très très loin. Hop, on va récupérer l'arme. Oh, on est presque mort. Hein. Ah, il a perdu un... Non, il a perdu son bras. Donc en fait, quand vous êtes très blessé, eh bien, vous perdez votre bras. Faut le savoir. Ok. On commence à assimiler un peu plus le jeu. Hop. Voilà, lui il est mort. Comment ça se fait qu'il vient de ressusciter lui? C'est quoi ce bazar? Oula, 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 oula. On avance, on avance, on avance. Ne nous faisons pas avoir par... des ennemis qui nous attaquent de tous les côtés. Ok. Lui, on va lui faire ça. On va lui faire ça. Hop, on vient de tuer le corbeau. On récupère ça aussi. On lance ça. N'importe quoi, je fais n'importe quoi. Hop. Il vient de mourir. On récupère le super joujou. Le super bijou. Et je fais n'importe quoi. Alors au niveau de la maniabilité, il est pas très très ample. Oulala, on vient de perdre un bras. La situation est plus que grave. On va essayer de grimper au-dessus. Ah, on peut pas. Ouais, on vient de perdre notre bras alors là. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Ouf. Ouf. On se laisse pas faire, on se laisse pas faire. On vient de réussir notre saut, c'est bon. On vient de passer le checkpoint. Ah, on peut marcher sur les adversaires. C'est marrant. J'aurais peut-être dû en fait rester sur l'adversaire. Ça va pas nous faciliter la tâche. Ouh là là, on vient de réussir le saut parfait quoi. Hop, une petite attaque, un petit saut. Ouh là 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 là. Ouh ya 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 ya. Et on est accueilli en plus à la sortie. Hop, on récupère de l'énergie comme on peut. Qu'est-ce qu'il fait? N'importe quoi. Hop, on vient de récupérer ce qu'il faut. Nickel, on vient de le battre. Donc voilà, il faut réussir à... à jongler entre l'épée... Aïe, 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 mince. On vient de perdre un bras. Dommage pour nous. Ok. On regarde ce qu'il y a dans les... Donc là, si on se fait toucher une fois, on est mort.
mais c'est pas facile là. Comment pouvons-nous faire? D'accord. Ouh là là, c'était quand même pas... Aïe. Je crois que je viens de faire une erreur. Oh là 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 là. En fait, je crois que je suis pas malin. Je viens de... Non mais j'ai fait n'importe quoi. C'est un truc de fou. En fait, je pouvais passer en dessous. Et je me suis fait avoir. Mais ça va, on a eu le checkpoint. Hop, on va le tuer. Et c'est fait. Hop, speedrun. Hop, un nouveau joyau. Qu'est-ce que c'est que ce bazar là? Bon, on vient de mourir, pas de problème. Heureusement, on avait eu le checkpoint. On va le finir ce niveau, on va le finir rien que pour vous. Alors vous voyez, il y a quand même une variété depuis le début de la partie. Au début, on était sur un toit. Et puis ensuite, hop, petite grotte. Il y avait un peu moins d'ennemis. Là, maintenant, il y en a de plus en plus. Et en plus, qui balancent des sortes de javelots. De manière pas très très sympathique, hein, d'ailleurs. On va quand même pas... Oh là 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 là. On se fait poursuivre. Ils sont combien là? Ok. On grimpe, on grimpe, on grimpe. Voilà. Bingo. Hop, et on retourne sur les toits. Oh my... Oulala, c'est une sorte de boss. C'est une sorte de boss. On est en train de prendre cher, je vous le dis pas. Oh my gosh. Oh my god. Alors ça, c'était la mauvaise surprise. Allez, nouvelle chance. Non mais attendez les gars là. Non mais arrêtez là. Non mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Tout est fait pour que je meure, hein. Non. Oh là là. Je me suis fait avoir. Oh là 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 là, on a réussi à passer. Alors là, c'était intense. Ça, c'était vraiment du niveau là. Waouh. Hop, comme ça on est tranquille. On est passé. Mais là, si je fais n'importe quoi, ça va pas le faire. Bingo. Oh
Oh là là. On continue le speedrun. Non. Pile poil à l'arrivée, c'est dommage. Mais bon, on est guéri. Hop, on. Pour l'instant, on peut pas grimper, c'est dommage. Et quand ça se fait que je me blesse, c'est n'importe quoi là. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai perdu un peu d'énergie. Hop, il est mort. Non mais c'est pas possible ça les gars. Ce qu'il faut. Et il est mort. On fera mieux le prochain tour. Alors si vous entendez mon fils derrière, c'est normal. Il pleure. J'espère que ça vous dérange pas trop. Hop, allez, on se débarrasse du ennemi. Voilà, j'ai mon petit fan club derrière, comme vous pouvez l'entendre. Yes. On y va. Alors, c'est bizarre parce que... on est obligé... En fait, on perd de l'énergie tout le temps. Je viens de me rendre compte qu'on perd de l'énergie. On est obligé de tuer des ennemis pour potentiellement remonter en vie. Mais on... C'est une sorte de speedrun de speedrun de Dark Soulsien. Ça rend le jeu beaucoup plus difficile que prévu. Allez, on avance. Hop, on va essayer de se débarrasser de lui. C'est pas passé loin. Hop. Si on pouvait le tuer, ça serait très bien. Bam. Allez. Aïe, c'est pas la bonne opération. D'accord, en un coup. Mort en un coup. Ouais. Allez, c'est pas grave. On repart à l'action. Hop, on vient de récupérer les joyaux, sachant que c'est un des derniers. Donc nous ne sommes pas si loin de la fin du niveau. On va essayer de le finir quand même ce niveau. Ça serait pas mal. Hop. Non mais c'est nul. Alors j'ai fait une roulade au mauvais moment. C'est pas grave, on va recommencer. Ça fait partie du jeu. Hop, un petit corbeau qui meurt. Ah mince, on aurait pu récupérer le joyau. Allez, c'est pas grave. On récupère le joyau, c'est parti. Ah dis donc, faut vraiment... Waouh, c'est vraiment un jeu assez complexe. Alors, on veut me gêner déjà que le jeu est dur. C'est pas très sympa, mon fils. Ma fille,
Ce qu'il faut, c'est tendu quand même. On n'est pas loin de souffrir. Alors le problème c'est que là je vois pas comment Ça y est, j'ai compris pour sortir de ce niveau. Oui, on l'a eu. C'est bientôt la fin. Bingo. Oula, comment on peut faire? Casse le mur. Ah bah mince, ça ne suffit pas. Pourtant je pensais que l'issue était ici. Dommage, on s'est trompé. Et bah c'est pas mal. On vient de finir le niveau. Donc le jeu, pour l'instant, est très diversifié. Là, voilà, on vient de finir le stage numéro 2. Et très sincèrement, ouais, je le trouve assez diversifié. Les combinaisons de coups doivent être maniées avec précision. C'est vrai que c'est un jeu qui est quand même assez relevé au niveau de sa difficulté. C'est pas forcément adressé à tout le monde, mais moi je le trouve très intéressant. Après, le bestiaire est pas forcément hyper étoffé, mais ça se tient. Donc là, voilà, on change un peu d'univers. On est moins dans la ville, on va être plus, à mon avis, dans un univers de château. Il pleut. Tout à l'heure, c'était un peu couleur verdoyante. Peut-être que plus on va avancer dans le jeu, plus les couleurs vont s'assombrir. Allez, continuons. On avait dit qu'on faisait une demi-heure à peu près de découverte. On est à une vingtaine de minutes. Hop, on s'en débarrasse. On récupère. Donc, vous l'avez compris, il y a quand même une... Bon, je ne savais pas qu'on pouvait mourir dans le trou. Il y a quand même une certaine difficulté parce que vous perdez de l'énergie naturellement. Donc vous devez tuer pour récupérer de la vie. Mais pour tuer, eh bien c'est loin d'être évident puisque eux-mêmes vous en font perdre énormément d'énergie. Je pense qu'il y a quand même dans le placement des personnages, il faut quand même avouer qu'il y a une bonne recherche. Pour essayer de vous en mettre le plus dans la figure.
Hop, premier joyau. Bon, il était bien caché. Hop, on va s'en débarrasser. Voilà, il est mort. Alors là, il faut qu'on fasse attention, parce qu'on a réussi à avoir le joyau. On saute. Bingo. Oula, qu'est-ce que c'est que ces monstres? Alors ça, c'était la petite surprise. Arrêtez les gars, mince. Non mais c'est une blague. Ouh. La plateforme s'effondre. Wouhou. Eh ben, c'est pas facile. Ouh là 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 là, on va pas mourir. Encore une plateforme. Une deuxième. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Ne vous inquiétez pas. Le principal, c'est d'arriver. Le principal, c'est d'arriver au bout. Il y a un truc que je n'ai pas compris. Une corde. Ouh. Eh ben, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu, quoi? Il est super dur. Non mais les gars, quoi. Mais arrêtez de me tuer comme ça, la mince. Non mais c'est une blague. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Hop, ça c'est fait. Non mais attendez, tout le monde me tire dessus là. Wouhou. On speedrun, on speedrun. Hop, tant pis pour les joyaux. Oulala, 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 oulala. Heureusement que les autres ils dorment. Hein. Je sais pas ce qu'ils font là, mais laissez-moi tranquille. Allez, c'est parti. Voilà, nickel. Nickel chrome. On ramasse l'arme parce qu'on est comme ça, nous. On n'a pas peur. Qu'est-ce que c'est que ce gars? Hop, il meurt. Bon, maintenant, il faut faire quoi? Ah non, ouais. Alors comment ils veulent que je réussisse ça hein? On passe. Cours. Oh, bonsaï. T'as donc bien dit. C'est après cours. Là tu comprends rien. Waouh. T'avais bien dit chaud, c'est après tu cours. Comment on fait là? Oh non, non les gars, vous êtes pas sympa de mettre des plateformes pareilles. Alors voilà, c'est un jeu qui fait rager. Hop! Faut quand même se dépêcher parce qu'on perd de la barre d'énergie. Hop! Allez, meurs, meurs, meurs! Bim! Attention, on saute! Oh, banzai! C'est bon. On récupère l'arme. Je t'ai dit, cours et après tu chantes! Voilà, mon fils me conseille. Cours et après tu chantes. Eh, hey, mais il est fou, lui! Hop! C'est bon, on l'a piégé. Vous avez une ambiance. Attends. Vous avez une ambiance quand même assez particulière, hein, vous remarquerez. Hop, voilà. Wouah! Alors c'est pas du Mario Odyssey. Bon, même si on va faire une petite séquence de gameplay également sur Mario Odyssey. Juste pour le fun. Non mais arrêtez les gars, la mince. Alors là, les développeurs ont quand même un esprit super cordial. Pourquoi tu
fait, je devrais courir, je devrais arrêter d'attaquer. Ouais. C'est des malins parce qu'ils ont l'esprit tendu, ils se disent oh bah, que va faire la personne? Forcément, elle va essayer d'attaquer, mais non. C'est quoi? C'est pas quelque chose qu'il faut c'est faire. C'est moi qui connais, que c'est moi qui a compris. Moi qui connais. Je savais que moi je connais. Allez, on attaque. On continue. On continue. Voilà, pourquoi il y a une vue lointaine là? Expliquez-moi s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, c'est ça. Pourquoi vous me faites ça, mesdames et messieurs? Pourquoi? Moi, je vous ai rien fait. C'est comme ça, je peux prendre mes trucs. Hop. Ah, on est rentré dans le château. C'est quoi ce truc? En vrai, là, c'est fait des trucs très difficiles. C'est mal. Pourquoi il y a une... Il devait peut-être y avoir des gens qui devaient venir, je sais pas. C'est le deuxième. Allez, on va grimper, mais par contre, on perd de l'énergie dangereusement. Ouf, ça va. Hop. Adios, muchachos. On y va. À la Dark Souls, les gars, à la Dark Souls. Bim, 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 bim. Non, il y a un petit côté jouissif. Alors, c'est juste dommage qu'au niveau... Au niveau des ennemis, on a à peu près les mêmes. Ils sont juste distingués avec avec leur couleur. Ça va être dur. Hein. Oh, nous avons réussi à trouver un vieux monsieur. Non, je vous en prie. N'approchez pas, je ne vous ai fait aucun mal. Calmez-vous, je ne vais pas vous faire de mal. Je cherche un moyen de vaincre le sorcier maléfique. La vieille femme a dit que vous pouviez m'aider. Mon Dieu, je ne sais pas pourquoi tout le monde... Quoi? Je ne sais pas pourquoi tout le monde... Ouais, d'accord, problème de traduction. Et là, je ne sais pas comment le vaincre. Il est si vieux que je n'ai trouvé aucune mention de lui, même sur les manuscrits les plus anciens. Toutefois, il existe une créature tout aussi ancienne qui pourrait vous aider. C'est la vipère de la forêt, emprisonnée dans la crypte depuis des siècles. Des chaînes d'argent l'entravent, le faisant souffrir pour les crimes ignobles qu'elle a commis. Trouvez-la, et vous pourriez en prendre l'avantage. Partez, je dois me cacher. Le maire est encore à ma poursuite, et cet endroit n'est pas sûr. Et là, nous avons réussi le niveau. C'est donc ainsi que nous allons terminer voilà, ce gameplay. Hein. On va quand même pas tout vous montrer dans ce jeu. Et après, on fait Mario Odyssey, d'accord? Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que ce jeu, donc Castle of Earth, pour 15€, franchement, ça fait le job. Là, sachant qu'on est sur le chapitre 1, acte 4. Donc imaginez quand même qu'il y a plusieurs chapitres. Normalement 4, puisqu'il y a 4 types d'étiquettes là qu'on voit tout en bas de l'écran. Donc c'est quand même une bonne durée de vie pour 15€. Vous allez en avoir pour votre argent, pour peu que vous réussissiez à tenir jusque là. Puisque ce jeu est quand même d'une difficulté assez relevée, donc comptez je pense... Allez, 2 heures par chapitre à peu près. Puisque les niveaux sont quand même assez longs. Là, vous avez vu, en une demi-heure, on en a fait 2. Deux à peine, et encore on a speedrunné quand même pas mal, on n'a pas eu tous les joyaux. Donc non, je pense que oui, on a pour au moins 2 heures par chapitre, donc comptez un bon 10 heures de durée de vie. D'un point de vue graphique, en tout cas bon, ça fait le travail, c'est pas non plus mirobolant. Par contre, ce qu'on peut en dire quand même, c'est que d'un acte à un autre, ils essaient de varier sur les conditions météorologiques,
le cycle jour-nuit, parce que là, visiblement, on est en pleine nuit. Vous retrouvez voilà des skins assez pauvres, mais on va dire ça fait quand même. Enfin, on n'a pas besoin forcément d'avoir plus, puisque ce qui est le plus intéressant dans ce jeu, c'est le système de combat, c'est cette difficulté omniprésente, c'est le fait d'être heureux de réussir à passer toutes les étapes qui nous posent problème. Voilà ce qu'on peut en dire en tout cas par rapport à Castle of Earth. C'était donc un test découverte pour consolefun.fr et pour l'instant, au vu de ce qu'on a essayé, je lui attribue un petit 15 sur 20. 15 sur 20 en tout cas pour les qualités proposées pour l'instant dans ce début d'aventure. Évidemment, on note un jeu lorsqu'on en a, on l'a terminé, mais en tout cas pour cette séquence de gameplay, moi ça m'a quand même bien plu et je pense que c'est un jeu qu'on peut recommander au sein de la rédaction de Console Fun. Donc on se dit à très bientôt pour d'autres aventures, ici Paris à vous les studios, merci d'avoir assisté au test découverte de Castle of Earth.